Celle-là, là. Ouais. Et c'est là qu'il est. Qu'il est numéro? 35. Eh ben, on ne doit pas être loin. 37. Ouais. C'est de l'autre côté, donc. Oui, c'est à gauche. Il est des hommes qui passent, comme l'éclair qui illumine le ciel, comme l'étoile filante dans la nuit noire, à qui on adresse nos vœux. Nos vœux d'un avenir meilleur que David Diop espérait pour ses pères. David Diop. De son patronyme complet, David, Léon, Mandessi, Diop. Il fait partie de cette race d'hommes dont Pétrarque disait « Grand homme sans pareil dans son temps et dont les pareils en tout temps sont rares. » Bourg David, Gaïné, Léon, Diop, Tamel. Comme un pied de nez à l'histoire, comme un refus de cautionner cette allégeance travestie, David s'en est allé avec ses convictions. Vierge de tout compromis. 1927-1960. 33 ans, comme une révélation, comme une promesse messianique. Il nous laisse une œuvre, un message d'espoir. Pour réfléchir sur le monde et garder la mémoire de l'Afrique, l'Afrique débarrassée de l'agonie des chaînes, pour qu'ensemble, mes frères, à coups de pilon, nous cessons de souffrir, pauvres nègres. Que le blanc ne me dise plus, ton avenir, monstre damné, c'est ton présent de honte. Qu'enfin cesse le temps du martyr du peuple noir, qui, à l'appel du tam-tam, retrouve sa liberté, en se relevant et en criant « Non !» Alors, écoutez, camarades, auprès de toi, Afrique, mon Afrique, les vautours disparaîtront et la route véritable se dressera sous le regard apaisé de ma mère et mienne, mère de tous, gonflée de certitude. Afrique, mon Afrique, Afrique de fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandu, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu de fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté.